Salut tout le monde, c'est Kiwi! J'espère que vous allez bien. Allez, donc on se retrouve pour donc vidéo sur comment il s'appelle ce jeu déjà? Et en contre Dying Light. menace. Cette fois, c'était un type appelé Morgan. Je lui ai dit que s'il coopérait pas, je brûlerais tout. Je me sens complètement immonde. Voilà, et donc pour info, voilà, la dernière fois on avait été donc jusqu'au village des pêcheurs, cette fois. Si je dis pas de conneries. Pour justement aller un peu secouer les gens pour qu'ils nous filent du pognon, hein, voilà, pour Rice. Et si je dis pas de bêtises, sur la fin de la vidéo, on avait été récupérer un comment ça s'appelle les paquets là, les cargaisons, voilà. Donc là, on est où là? Donc je dois récupérer ça, je dois rapporter le paiement à la garnison pour Rice. Ben écoutez. Est-ce qu'on en est loin déjà? C'est ça la question. Tac, qu'est-ce que j'ai là? Trouver le type au masque à gaz. Alors, en fait, je serais d'avis qu'on continue quand même cette mission pour justement vraiment finir le bordel. Mais je me dis peut-être, voyez. Bifurquer sur cette... voilà. Bifurquer ici, ça peut être sympa, tu vois. Là-dessus, là, comme ça, on fait cette petite quête en mode... tu sais. Rapide, surtout que bon, elle est intermédiaire. Elle va nous filer 5000 d'XP. C'est... Elle... Bon, elle nous en file beaucoup plus, mais je me dis, bon, peut-être qu'au final, voyez, on peut... Voilà. On peut... On va se faire ça, les gars. On verra après... attendez, est-ce que je peux... Ouais, parfait. Je peux faire ça. Et je vais aller chercher, du coup, le mec. Il fait encore jour, donc j'en profite. Il fait encore jour, j'en profite. Là, si je dis pas de bêtises, on est arrivé à peine au jour, là. Donc, voilà. Ok. Bon, donc, il y a les comme ça. Alors, attends, on va passer par là. Eh mon Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a basculé au 18e étage. On essaie de maîtriser la situation, mais bon. Ah. Écoute, Crane, il nous faut de l'antigène. Et tout de suite. Ouais, du coup, on va peut-être se bouger le Rice, on cul a quand promis même. deux caisses, Mince. Bracken. Deux caisses. Je fais aussi vite que je peux, je te promets. Dépêche-toi, je t'en prie. Ah, tiens, il y avait un truc à ramasser là. Ah, c'est une planche, oh, on s'en fout de ça. Donc là, juste on court, les gars. Tiens, ici, j'ai un truc à faire, non? Allez, on y va. On est où? On est à 50 mètres. Oula. Quoi? Putain, le mec, il m'a agrippé direct, genre. Alors là, je dois trouver le type au masque. Bon, bah, écoutez. Voilà, je pense que le type, il doit être par ici, hein. Voilà. Je me dis, ce sera pas difficile. Alors, peut-être. Peut-être. Peut-être que ce qui va être dur, ça va être de trouver le bonhomme. Quoique, attendez. Est-ce que là, il y a un truc qui va sortir ou pas? Non. Reste où tu es. Shakur ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Si Shakur ne veut pas de visiteurs, Shakur n'aurait pas dû saboter la clôture du village de pêcheurs. Hein? Comment ça? Shakur n'a rien fait. C'était ce type au masque à gaz. C'est-à-dire toi. Moi? Tu es fou, qu'est-ce qui te fait dire ça? Le masque à gaz que tu portes. Tu t'es fait rouler dans la farine, mon ami. Ce saboteur était un imposteur qui se faisait passer pour moi, pour que tu sois en colère contre Shakur. Mais Shakur sait qui a fait ça. Shakur l'a vu sans son masque. Tu dis que quelqu'un s'est déguisé pour te ressembler? Je l'ai regardé de derrière les rochers. Il n'a pas vu Shakur, mais Shakur l'a vu. Shakur ferait bien de me dire qui c'était. Non. Ces informations sont trop précieuses. Si tu veux savoir ce que Shakur a vu, tu dois faire quelque chose pour moi. Après, je te dirai. On négocie pas, Shakur. Mais non! Shakur te dit quoi faire et tu dois obéir. Obéis à Shakur maintenant! Et qu'est-ce que Shakur veut exactement? Il y a un lac tout près. Mon sac à trésors est tombé du bateau. Tu dois jouer les poissons et me le rapporter. Allez, dépêche-toi!
Il me fait un peu penser à Gazi dans le fait que ouais, il a, enfin, tu sais, il est un peu autoritaire, il sait ce qu'il veut et clairement ouais, clairement ouais, il me fait vraiment penser à Gazi ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a, voilà, il y a un peu de ressemblance. Bon, là du coup on doit faire, merde. Je suis où là? Je suis là, ok. On doit faire quoi là? Est-ce que j'ai une jauge de... Ah, oui. J'ai une jauge de respiration. Alors là, je dois lui trouver un foutu... un foutu truc là. Oh, attends, non. On va essayer d'aller l'aider quand même. Il est à côté, donc on va... Voilà, on va pas faire le con. Se dégage. C'est bon, les gars? Donc là, je l'aide un peu. La récompense, s'il vous plaît. Combien? 100 balles? Putain. J'ai un peu un rat, quand même. Hein. J'ai un peu un rat. On va aller voir par là. Peut-être que là, il y a quelque chose. Alors, je sais que j'ai déjà fait cette mission, mais je sais absolument plus où c'était. Et en fait, je sais plus si ça va, en fait, restreindre ou non la zone. Ouais, ok, c'est ça. Ça restreint la zone au fur et à mesure. Ok. Voilà, du coup, on va faire gaffe. On va peut-être remonter. Ah, le bateau est là. Ok, le bateau est là. Donc, on va replonger après. Après, là, j'ai vu un truc là-bas. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est une voiture. Okay. Donc, là, on va replonger là-dessous pour aller, je pense, sous le bateau. Ouais. Je pars en scène, les gars. Bon, les fonds marins sont plutôt ok, hein, je trouve. Ils sont pas... Voilà, ils sont pas sensationnels, mais ils sont pas non plus... Bah franchement, en fait, pour un jeu où, bon, on n'est pas non plus... comment ça s'appelle? À fond, voilà, sur ça, je trouve ça va, c'est plutôt... Ouais, c'est correct, quoi, on va dire. Je pense pas que ça soit là-bas. Non, ça rend la voiture là-bas. Quoique, hein, de toute façon, il va falloir que j'y aille. Parce que là, de ce côté-là, en tout cas, j'ai rien. Donc, punaise, c'est pas simple quand même, voilà, cette petite chose-là. Hein. Parce que là, j'ai le bateau. Donc, attendez. Non, mais à mon avis, il faut vraiment aller. Ah, putain, c'est ça? Ouais, ça, on s'en fout. Ok, donc on va ramener ça au mec qui est là-bas, du coup. Donc, let's go. Bon, ça va, hein, c'est au final. Voilà, c'était pas très compliqué. Ah, j'ai une caisse apparemment à aller rendre à l'intendant. C'est peut-être ça, on l'avait peut-être juste prise, on l'avait pas ramenée, du coup. Bon, voilà. Donc, ça, on le fera de toute manière, ne vous inquiétez pas. Comme, voilà, comme je vous ai déjà dit, on peut les cumuler, hein, donc... un truc à pain, ici. On prend de l'eau, là, qui... Ouais, l'eau est un peu chiante, par contre, sur notre corps, mais bon. Voilà. Oh, mon petit Shakur. J'ai ton sac. Pourquoi est-ce que tu y es pas allé toi-même? Shakur ne sait pas nager. Quel bouffon. D'abord, le sac. Après, je te dis qui est le faux Shakur. D'accord. Ok, Shakur, dis-moi ce que t'as vu. Au début, l'imposteur sort du village. Il fait doucement, comme un maître espion. Ensuite, il met un masque sur sa tête. Il revient alors vers la porte. Mais il fait plein de bruit pour que le garde le voie. C'est là qu'il coupe le cadenas et qu'il s'enfuit. T'as reconnu qui c'était? Il avait l'air fou. Rien à voir avec Shakur. Mais tu sais qui c'était? Bien sûr, c'était un des pêcheurs, le type qui s'est déguisé en Shakur. Bien, je vais m'en renseigner. Au fait, Shakur, il y avait quoi dans ce sac? De l'air. Du bon air pur. Maintenant, je peux respirer. Ok. Bon, bah écoute, c'était plutôt... voilà, plutôt une bonne chose, là. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à ramasser là, dans sa petite boutique? Non?
Bravo, monsieur le petit calendrier. Sympa, hein. Attendez. Attendez, mais j'ai pas moyen d'aller... l'autre côté, là. Non, parce que l'autre côté, il y a peut-être des choses à ramasser, non? Ah, il y a une porte. Il y a une porte, les gars. Je pense qu'elle va être fermée, hein, comme d'habitude, voilà. Ça se saurait, de toute manière, hein, si... Ouh, attends, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, là-haut. Ah, mais c'est une zone... ok. C'est une zone... ah non, mais c'est en bas, la zone, je suis con. Parler aux gardes, bah, allons parler aux gardes. Bon, donc voilà, on continuera les quêtes de Rice peut-être la prochaine fois, au final. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse un peu, voilà, qu'on change, qu'on fasse un peu de missions secondaires dans l'histoire principale, histoire de peut-être pas trop avancer, après bon. Voilà, ou dites-moi si juste en fait, vous en foutez des récompenses, enfin des quêtes secondaires et qu'on fait juste la trame principale du jeu. Ça peut aussi être une possibilité, hein, voilà. Laissez passer Kiwi. Ça peut clairement être une possibilité. Moi j'avoue que dans ce genre de jeu j'aime bien faire un peu tout, voyez. Un peu de... voilà, un peu de trucs secondaires, un peu de quêtes secondaires, un peu de... Oula, ouf. Un peu de... Oh, je me suis arraché les jambes là. Un peu de quêtes secondaires, un peu de quêtes principales, parce qu'en fait, voilà... Je pense qu'au bout d'un moment, si on fait que ça, enfin si on fait que des quêtes principales, je pense qu'on peut arriver à un stade où on aura un problème d'XP. Combien de personnes ont les clés de cette porte? Pas beaucoup. Tom, Gourcel et Mouza. Merci. D'accord. Tom, Gourcel et Mouza. Donc là, on doit faire quoi là? Là, on doit fouiller les cabanes. Eh ben, allons fouiller les cabanes. Hein. Qu'est-ce que tu as échangé, monsieur? Est-ce que je peux te vendre des trucs nuls, peut-être? Genre ça par exemple. Après bon, est-ce que ça, tu vois, je vendrais, enfin bon, ça c'est quoi, on va vendre, c'est bon, hein. 47 47 47 54. En vrai ça c'est de la merde, tu vois, genre de trucs là, tu vois, à côté, tu sais, j'ai des trucs genre à 58. Ouais, bof. Tu vois, même ça, en vrai, bon, pff, je pense que c'est un peu de la merde, quoi. Tu vois, à côté, j'ai des trucs à 79, bon, le petit truc à 60 ou à 40, bon, ça, en vrai, elle est pas bien, elle non plus, je l'aime pas trop. Tu sais quoi, je pense que je vais la vendre, je vais vendre ça, et je vais garder la pelle militaire pour le coup, ça fera un bon, voilà, ça fera un bon petit, une bonne alternative, si je puis dire. Parce que clairement, en fait, j'aime pas... Je sais pas, j'aimais pas du tout la... Bon, tu vois, on va les fouiller. Tu ramasses en bas déjà ou pas? Bon, il y a encore un truc à ramasser ici, là. Ah non, c'est bien, c'est l'autre côté. Zut. Mais, ouais, tu vois, je me dis, bon... Ah oui, c'est ici. Ah, mais c'est ma planque, on s'en fout. Attends, je suis gagnant, on s'en fout. Ok. T'es sérieux? Et ouais, en fait, j'ai pas du tout aimé la matraque. La... Pas la matraque, la. Ah, ok. La batte. Donc, ah, des notes, cool. Alors, dans ce genre de maison, je fais gaffe parce que, voilà, comme j'ai déjà dit, y a... des fois, il y a. On peut casser ou pas? Non, ok. Des fois, il y a plein de trucs à ramasser. Masque à gaz. Ah, bon, ben voilà. Hein. J'ai trouvé direct le masque à gaz. Ok. Ah, j'aurais pu passer par là aussi. Ok. Bonjour, Gourcel. T'as saboté la porte, Gourcel. Et t'as laissé les infectés entrer dans le village. Moi? C'est ce taré avec le masque. Le garde l'a vu. Mais il y a quelqu'un qui t'a vu. Qui? Il est où? Dis-moi. Il y a aussi ce masque que j'ai trouvé dans ta cabane. Ha! Dis plus rien. D'accord. Et qu'est-ce que j'étais censé faire? Le village voulait pas payer Rice et Rice commençait à s'énerver. C'est pour ça qu'il t'a envoyé, non? Alors c'est toi qui as organisé cette attaque. Je devais convaincre les autres de payer Rice. Ça a marché finalement. Qu'est-ce que ça peut bien te faire de toute manière? Maintenant, Mouza veut descendre le type au masque à gaz. Ça te dérange? Ouais, si ça devait arriver, il faudrait que tu racontes pourquoi t'as fait entrer des infectés dans le village. Ok, d'accord, je vais parler à Mouza et aux gardes. Ouais, et fais-le, hein, sinon je te pète ta gueule, hein. Non mais oh, Mouza. Tu es où, Mouza? Ah tiens là. Bonjour.
Le type au masque à gaz vous embêtera plus. Tu l'as descendu ? Non, j'ai pas eu besoin de le faire. Après ce qu'il a fait ? C'est toi qui vois, mais on descend pas quelqu'un pour si peu. Si t'es pas d'accord, on risque de vraiment pas s'entendre, tous les deux. Pas de problème, j'étais énervé. J'ai jamais fait de mal à personne. Merci de lui avoir parlé. Oh, de rien, entre amis, on cède, tout ça, voilà. Ah oui, donne-nous une récompense, par contre, s'il te plaît, merci. Champion, alors champion, qu'est-ce que c'est, les gars? Champion, c'est où? Attendez, plan, compétence, est-ce que c'est là, plan? Ah, c'est pas ça, hein. Ah, ok, c'est là. Champion, c'est quoi? Améliore toutes les statistiques de votre arme. Sélectionnez, ok, d'accord. Alors, attendez, est-ce que ça fait beaucoup ou pas? Admettons, je vais améliorer ça. Ah, il me reste 0 réparation. Et elle, il m'en reste. Admettons, les gars, je suis 251. Si je fais améliorer. Ah, voilà, vous pouvez améliorer les caractéristiques. Vous pouvez améliorer les caractéristiques de vos armes en augmentant les dégâts, la résistance ou la maniabilité. Vous pouvez obtenir des améliorations en aidant d'autres survivants. Ok. Donc là, par exemple, pour le module 1, si je vais y mettre champion. Ouais, okay. Ouais, ça donne pas tant que ça quand même. Hein. Ça donne un peu plus de maniabilité, je suis d'accord, mais. Ouais, c'est pourri quand même, hein, les gars. Ouais, franchement. Franchement, c'est pas ouf hein, quand même. Hein. Après, c'est celle qui me donne le plus en dégâts pour le coup. Mais ouais. Ouais, franchement, c'est pas. Bon, voilà. On va dire. Je vais pas le faire maintenant. Pour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, hé, monte. Voilà, je vais pas le faire maintenant. Si c'est ça le. Ouais, il y a du monde là pour le coup. Hop, laissez passer, lâchez-moi. Mais pour le coup, c'est vrai que. C'est. Ouais, c'est. Je sais pas. Je suis quand même assez mitigé, quoi. Après, je sais pas. Voilà, plus tard, je pense que j'aurai peut-être des meilleurs trucs. Voilà, où je vais pouvoir avoir peut-être. Je sais pas, 20, 30, ou peut-être même. Ok, là, je peux pas passer. Ou peut-être même que c'est proportionnel, en fait. Aux dégâts, peut-être que là, voilà. On peut passer par là. Peut-être que pour cette arme. Que j'ai hâte de pouvoir monter quand même. Hein. Attendez, elle monte Jacqueline ou pas là? Non, elle a pas l'air. Voilà, peut-être que pour cette arme. Ah ouais, mais attendez, est-ce que du coup ça sert à quelque chose que j'ai fait ou genre ça sert à rien? Ok, bah ça sert pas à rien, mais bon. Voilà, peut-être que sur cette arme, voilà, ça me donne 12. Peut-être que sur une arme qui sera bien plus efficace. Oh là là. Il est encore là, lui. Oh là là. Oh là là, c'est la merde, les gars. Oh non, je vais crever. Putain, je suis pas mort. J'ai eu de la luck. Hein. Là, on va pas se mentir. Ouais, j'arrive. Rien. J'ai fait la moitié de la route, je pense. Super. Il faudrait que tu fasses un petit détour. Pourquoi? Une de nos patrouilles a disparu aux alentours du marché. Ah. C'est pas mon problème. Salut maintenant. Tu vas les retrouver. Sinon, c'est pas la peine de rentrer. Ok, bah allons chercher la patrouille, là. La patte patrouille, les gars. Putain, je m'éclate les jeux. Ouais, ça dépend déjà quoi. Mais vous voyez, peut-être que bon, voilà, sur une autre arme, ce sera peut-être plus utile ou moins utile. Je dois faire quoi là? Ah, je dois trouver la patrouille. Bah, allons trouver la patrouille, les gars. Je l'ai déjà faite, hein, cette mission pour info. Donc, je sais plus ou moins. Alors. Merde. Putain, en fait. J'ai raté mon saut là. En fait, je voulais m'accrocher au truc. Au rebord, et ben j'ai fail. Oh, tout simplement, comme un naze. Du coup, c'est où? Dans 200 mètres. Et ouais, et du coup, donc j'ai déjà fait un peu le. Voilà, je l'ai déjà fait. Ok, là c'est fermé. Crochetage intermédiaire. Bon. Tiens, c'est ça que. Ah, c'est par là, ok. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pu crocheter. Oh putain, lâche-moi, mec. Attends.
suffit, hein. Toi pour 15 balles, tu te moques du monde, monsieur. 40 balles. Putain, j'ai risqué ma vie pour 40 balles, les gars. Donc ouais, c'est des tests qu'il faudra faire et je pense que plus tard, voilà, j'aurai peut-être des meilleures améliorations aussi. Ou peut-être qu'elles existent dans différentes raretés. Peut-être qu'il y a un champion qui est en mode ultra rare ou vous savez, peut-être, je sais pas, ça... Alors, c'est là où je suis tombé ou je suis mort. Donc on peut peut-être pas refaire la même connerie. Ouais, et en fait, voilà, je voulais plus ou moins atterrir sur ce truc-là. Mais ouais, j'ai totalement fail en fait. Bon, voilà, donc ne cherchons pas d'excuses, les gars. J'ai fail, j'ai merdé. Ouais, cette zone, franchement, c'est une tuerie, les gars. La nuit, c'est une tuerie. La nuit, tu viens avec du cocktail Molotov à foison, arme à feu, comme j'ai déjà dit. Et franchement, tu te fais Ah, tu te fais un truc de ouf, là. Là franchement, tu gagnes de l'XP de ouf. Quand... Voilà. Ah, bon. Les gars ont été complètement massacrés. Fouille les corps. Recherche les plans dans une petite enveloppe. Et les abîme pas. D'accord. Bien plus que tous ces macabres additionnés. Putain. Le mec, quoi. Genre... il pense vraiment qu'au macabre, quoi. Sale chien. Ben non, justement, il pense pas au macabre. Ah, peut-être là, non. Vide... Quelqu'un qui a parlé là, non? Quoi? Ah! Mais il se fout de ma gueule, le mec! Oh, une clé. Alors, j'ai une clé de quoi, par contre? Putain, eh, le mec, il m'a atomisé, les gars. Là, le mec m'a atomisé. Alors, pour le coup, attendez. Oh, attendez, les gars. Est-ce que j'ai des balles? Parce que si j'ai des balles, les gars, ça part en... Ah ouais, j'ai 45 munitions. C'est quoi? On va utiliser le flingue. À place de la matraque? Non, à place de la pelle. Alors là, les gars, je vous dis, ça va partir une couille. Là, le problème, c'est que si je tire, ça risque d'attirer du monde dedans. Putain, le problème c'est que là le mec il me bloque en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème c'est que j'arrive pas à voir où il est. On se cache un peu. Ouais, ça les dégage. Quoi? Qui c'est qui m'a atomisé là? Ouais, plus personne. Ok. Bon, une balle, en fait, ça lui a suffi. Ça va, c'était cool, tu vois. En vrai. Par contre, attendez, dans mes souvenirs, là. Dans mes souvenirs, il y avait un truc... Il y avait un truc vachement bien dans mes souvenirs. Il me semble qu'il y avait un fusil ou ce genre de truc. Il y a des trucs que j'ai pas fouillé encore. Ah, il y a ça que j'ai pas fouillé. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Ah ouais, les gars, ça je prends, punaise. Alors attendez. Non, il y avait pas un style de fusil d'assaut ou autre. Par contre, attendez, qu'est-ce que j'ai pas regardé? Ah, peut-être lui, ouais, effectivement. C'était peut-être le dernier, donc... Ah bah évidemment, c'était bien le dernier qu'il avait. On va prendre ça, du coup. Je l'ai. Bah écoutez, les gars, on va aller... on va aller déjà s'occuper des mecs là-haut, là, déjà. Tu vois alors, je pense qu'il faut que je monte là. Hey, toi, là-bas. Je suis sur l'antenne. Tu me vois? Quelle antenne? Je suis là-haut. J'ai besoin d'aide. Ah, mais c'est lui là-haut, là, putain. Attendez, je vais monter là-haut, je vais aller je vais aller régler leur compte. Putain, je tombe du camion. Demander la récompense. Je suis sûr qu'il va nous gruger. Est-ce que je peux sauter?
petit fusil d'assaut, les gars. Je peux ouvrir ça ou je suis obligé de le casser? Ah. Est-ce qu'il y a des mecs dedans, en fait? C'est ça la question. Ah, ok. J'ai juste... D'accord, ok. J'ai juste eu à ouvrir et c'est tout. Bon, bah, écoute. Ah, journal de combat. Ok, bah, j'ai juste eu à ouvrir. Ok, bah, je m'attendais quand même à... Ouais, je m'attendais à mieux quand même, hein, les gars. Après, ouais. J'ai juste eu un mec à flinguer, en fin de compte. Et c'est tout. Bah là, les gars, vous savez quoi? On va aller demander notre récompense à Rice, pour le coup. On dirait vraiment que dalle, les gars, ici. J'ai fait vraiment tout ce chemin pour juste... Pour juste ça. Ok, bon. Écoutez. 400 mètres. Bah allez, let's go, hein. On va y aller, hein. On a récupéré un petit fusil d'assaut, là, les mecs. Ah ouais, là, ça met bien. Oula. Ouais, peut-être... Là, à tout moment, je me loupe et je crève comme un abruti. Donc, okay. D'après ce que j'ai compris, Rice n'a pas beaucoup d'amis dans le coin. Non, mais tout le monde a peur de lui. Et puis, tu sais ce qu'on dit. Mieux vaut être craint qu'être aimé. Machiavel. Tout à fait. Un mec qui avait les pieds sur terre. Ouais, je pense que être vraiment craint, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Dans le sens où... En fait, je pense qu'il faut trouver un peu le juste milieu. Parce que... Disons que être craint, ça... On va dire, ça peut... vite être le bordel. Parce que tout le monde risque de potentiellement vouloir ta mort. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si... Je pensais qu'il y avait un mob là-dedans. Alors que si tu es un peu... En fait, si tu es suffisamment craint, mais que tu arrives quand même à être aimé, tu vois, je pense que... Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je vais essayer d'aller l'aider, le mec, là-bas, là. Oh. Putain. On va récupérer un peu notre endurance, les gars. Ah, mais je vais crever, en fait. Je me soigne un coup et j'y retourne. Attendez, est-ce que j'ai un cocktail Molotov ou pas? Non? Ah, bah du coup c'est la merde. Hein. Bon, là en fait... C'est bon? Ok. Là pour le coup je vais ramasser leurs armes. Ouais, bah 2 secondes mec. Je ne t'oublie pas, juste je ramasse 2-3 armes. C'est tout. Oh, une massette, une pelle, un marteau. Ah ouais, là je me mets bien quand même, les gars. Oh, kit de soins et tout. Ah ouais. Là, les gars, je me suis mis méga bien, là, pour le coup. Ouais, bah donnez-moi une récompense, s'il vous plaît. Allez. Une récompense, s'il vous plaît. Merci. 82 balles. Tiens, ça vaut même pas le prix des... Comment ça s'appelle? Des kits de soins que j'utilisais pour vous, tu sais. C'est vraiment du foutage de gueule, là, par contre, les mecs. Allez, on va aller demander la récompense à Rice, on va s'arrêter là. Voilà, ce sera une petite vidéo de quoi, 30-40 minutes, je pense. Au final, voilà, on aura fait une petite quête secondaire. Ok. Ouais, bon, alors, attendez, on va passer par là. Putain. Il a lui. On aura fait... J'ai mis à toucher quand même le bougre. On aura fait une quête secondaire. On aura fait quoi? On aura fait Attendez, par où je peux passer là? Par là?
Donc ouais, une quête secondaire, une... Et on aura avancé la trame principale. Ah, parfait. Je suis content d'être passé par là, les gars. Voilà. Ah, bonjour. Tiens, voilà les plans. Excellent. Toi, au moins, je peux te faire confiance. C'est pas comme ces ivrognes. Rice t'attend. On pourra peut-être bosser ensemble un de ces jours. Non, j'espère pas. Non, ça me va. Mais je suis sûr qu'il va me la mettre à l'envers, l'autre. Mais c'est certain, ça, les gars. La compassion, c'est ma faiblesse. Tu me retournes en douleur, tu ne gonfles pas. Bigé, vous avez tout ici. Un toit, à manger, des femmes, des munitions. Mais qu'est-ce que j'ai en retour? Je ne peux pas vous faire confiance. Je suis trop gentil avec vous. Beaucoup trop. Ah, ça sent les ennuis, ça. Tiens, revoilà l'autre. T'as quelque chose pour moi? Ouais. Et j'attends mes deux caisses d'antisine en retour. Tu me l'as promis. Tu rêves. Tu es fidèle à la tour, mais c'est pas une marque d'intelligence. Tu n'es qu'un lâche. Tu obéis sans réfléchir. À eux, à moi. Un bon petit clébard. Écoute, on avait un marché. Les tiens ont besoin de l'antisine. Plus que jamais. Mais un homme qui suit les règles d'un autre n'en est pas un. Tiens. T'auras ça et rien de plus. 5 flacons? Mais tu m'avais promis 2 caisses. Si t'en veux plus, j'ai une proposition pour toi. L'athlète, celle qu'on appelle le scorpion, Jade Aldemir. Ramène-la-moi. J'ai une arène où mes hommes se battent. J'aimerais bien voir le scorpion se battre pour nous. Je me demande combien de temps elle tiendrait. Quoi? Non, pas question. Ça manque de conviction tout ça, Crane. T'as pas encore décidé, ça s'entend. Alors tu vas sauver qui? Les habitants de la tour? Ou la demoiselle en détresse. Ah. File et réfléchis. Oh, le choix difficile. Ah ouais. Non, c'est abusé là quand même, monsieur. Oh. Là par contre, monsieur, ouais, tu me l'as même pas à l'envers quand même. Hein, ça, franchement, c'est pas... Ouais, c'est pas digne d'un homme de parole, ça, hein. Ça peut être intéressant. À fabriquer un bouclier. Or, de mémoire, le bouclier, c'était de la merde. Peut-être prendre ça, par contre. Les trucs électriques, là, ça peut être... Ça peut être fun. Ouais, prendre monsieur, là, tu me l'as même pas à l'envers, quand même. Bon, en tout cas, nous, les amis, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde !